Pour son premier anniversaire, IA Fox Wallet qui a décidé de récompenser tous ses utilisateurs, nouveaux comme anciens. Ici, il y a trois catégories de récompenses. La récompense à la création de wallet, la récompense pour les invitations et la récompense en NFT. Pour recevoir le NFT, vous aurez besoin d'une toute petite quantité de BNB pour payer les frais sur la Binance Smart Chain. C'est de l'ordre de 0,0006 BNB. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de donner gratuitement ces frais-là à 20 personnes parmi vous. Pour recevoir, il y a les conditions à remplir. D'abord, vous devez suivre la vidéo en intégralité. Ensuite, vous devez liker la vidéo et laisser un commentaire. Dans ce commentaire, vous allez inclure votre adresse BNB de Fox Wallet. Et pour éviter que le commentaire ne soit filtré, il faut mettre l'adresse entre parenthèses, comme vous le voyez à l'image ici. Et je vais prendre les 20 premiers commentaires qui remplissent les conditions à qui je vais envoyer les frais. Pour commencer, il faut suivre le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo ou en commentaire épinglé. Vous allez arriver sur cette page. Vous descendez un peu. Et à ce niveau, vous devez copier ce code avant de continuer. Quand vous finissez de copier le code maintenant, vous allez choisir votre système d'exploitation. Donc moi, je vais choisir Android pour pouvoir télécharger l'application. Donc lorsque vous allez appuyer, ça vous redirige vers la page de téléchargement. Je l'avais déjà téléchargé, donc on va simplement ouvrir l'application et on crée le wallet. Donc vous allez aller sur Create Wallet et vous allez valider. Vous allez juste accepter le terme d'utilisation. Et maintenant, vous allez choisir le nom du wallet à ce niveau. Vous pouvez laisser comme ça. Ensuite, vous pouvez choisir le mot de passe et le confirmer. Et juste après ça, maintenant, vous devez aller remplir toutes ces informations. Et à la partie de Invite Code, vous collez le code que vous aviez copié au début. Le code que vous avez copié au début, vous collez ce code à ce niveau. C'est ça qui va vous permettre d'avoir le bonus d'inscription ou bien de création de wallet. Juste après ça, maintenant, vous allez appuyer sur Submit. Et on va attendre que ça se valide. Bon, déjà, il faut valider le captcha. Donc, vous allez juste valider le captcha de cette manière. Vous faites correspondre les images. Et ensuite, on va continuer. Ici, cette partie, je ne vais pas vous la montrer. C'est votre phase de récupération. Donc, après cette partie, maintenant, vous allez aller, vous appuyez sur cette partie. On va retourner sur l'interface. Et on va aller sur le profil à ce niveau. On va sur le profil à ce niveau. C'est là-bas qu'on va pouvoir copier le lien de parrainage. Donc, on va aller appuyer au niveau de share. La flèche qui est devant Share, on va appuyer à ce niveau pour aller générer notre code de parrainage pour ceux qui ont envie de parrainer parce que ça va vous permettre de gagner 0,2 $ par fiel actif bien sûr. Et à ce niveau, vous allez simplement appuyer sur Get Invite Code. Vous allez appuyer sur Get Invite Code, vous allez avoir soit le code, soit le lien. Moi, je vous conseille d'utiliser beaucoup plus le lien. Donc, on va appuyer à cette partie et on va attendre que le code se génère. Donc, on va attendre un peu. Ici aussi, il faut valider le captcha. Dès qu'on finit de valider le captcha, le code va apparaître. Et ça sera la première partie. Pour ceux qui ont envie de parrainer, vous pouvez maintenant distribuer votre lien à ceux que vous voulez parrainer. Pour obtenir les NFT, vous devez avoir, en plus des frais de transaction, au moins 3 fioles. Il faut parrainer au moins 3 fioles. Et ensuite, vous allez appuyer sur la flèche tout à côté pour aller sur la page où on peut réclamer ces NFT. Une fois sur la page, il suffit simplement d'appuyer sur Claim. Vous allez simplement appuyer sur Claim. Et là, vous allez patienter un peu. Ok, donc une fois que vous avez fini d'appuyer, vous allez voir, vous attendez. On va vous demander de confirmer. C'est là-bas, il vous faut un peu des frais de transaction. Ensuite, vous devez mettre votre mot de passe. Et juste après ça, vous allez confirmer. Vous confirmez simplement. Et normalement, vous devez obtenir votre NFT en l'espace de 30 secondes à 1 minute. Donc voilà maintenant le NFT a été envoyé. On va retourner sur le wallet. Et on va retourner dans le wallet. Il y a la partie NFT et il y a la partie coins aussi, un peu comme sur Trust Wallet. On va aller dans la partie NFT pour découvrir le NFT que nous avons actuellement. Donc on va rafraîchir un peu la page. Et voilà, il y a le NFT qui est bel et bien là. On va aller voir c'est de quel NFT il s'agit. Donc on a obtenu le 1346e. Donc voilà. C'est comme ça, vous pouvez m'envoyer ce NFT sur votre autre portefeuille. Donc voilà, c'est tout pour cette opportunité. Faites vite pour obtenir vous aussi votre part.